Ok, Bernard. Oh, monsieur, ouais. Comment tu vas? Très bien, ça marche. C'est un maudit là. Bon, oui, te faire la surprise. Hein? Ça t'a surpris le matin. Hein? Ouais, ouais. Ok. Je n'aime pas dire. Patrick Oyabi, on l'a vu. C'est lui qui m'a montré comment sortir. Les étapes, les machins. Parce que lui-même était dans le même coup que moi. Parce que lui, il a dû faire Cameroun, Bangui, juste le chat. On va avancer? Hein? Oui. Non, je ne sais pas, parce que j'ai amené un bouillon. Ah, un petit coup. Non, mais je ne sais pas, il ne pas que tu venir aussi. Hein? Non, mais attends, franchement, il faut être... Quand tu mets une photo, et tu mets 19h... J'étais demandé de me poser la question. Que c'est 19h le demain matin. Je n'ai rien dit à moi. Mais demain, je vais le vendre. Mais tu vas où? Hein? Oh, en Uruguay, ça s'est bien passé le voyage? Oui, oui, sauf que la police française... Ok, d'accord. Merci Henri. Pardon. Sauf que la police française a voulu me bloquer. Pourquoi? Quelle cause? Et tu ne rentres pas dans ton pays? Je scanne le passeport, tout ça, bloqué. Je scanne à toutes les étapes bloquées. Il commence à avoir peur. Donc on me met à côté. Après je vois que ça commence à chuchoter, ça appelle les hauts gradés, tout ça. Bon, je comprends tout de suite. Quoi. Donc ils me font paroter pendant à peu près 15-20 minutes. Et après finalement ils me disent c'est bon, vous pouvez passer. Et après je dis en rigolant à un, quoi le comment ça s'appelle le fichage. Je dis le fichage n'est pas levé. Il me dit non, toujours pas, et vous êtes S. Mais bon, tu peux être sûr que j'avais déjà alerté tout le... Non, en tout cas... Les avocats, les journalistes, tout ça, que j'avais déjà... Informé. Informé. Ah, tu es tout seul? Non, je suis avec les deux. Ah, les deux. L'autre petit est là-bas. La relève. En face de l'eau. Et la voiture, on a garé là-bas, hein, parce qu'on a... Juste en face de lui, là, il y a un hôtel. Ah oui, les apparts, c'est les apparts. Oui, voilà, des apparts, peut-être. C'est ce que j'estime la plus. Ben oui, en tout cas, c'est eux qui assurent ma sécurité. Oui. Mais ceux qui sont au pouvoir, non. Quel que soit ce qui m'arrive, c'est... Non, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mon frère? Oh, chez toi, c'est ton pays? Est-ce que tu as affaire à quelqu'un? Mais de toute façon, rassure-toi. Si, c'est Ali Bongo n'est plus président, c'est Olivier qui est président. Si je craignais quoi que ce soit, je ne serais pas revenu. Oh, ils ne font. Non. C'est tous ces petits maudits-là. Ils ne peuvent rien faire. Rien à faire. Moi, je marche dans Libreville, donc lui aussi, il marchera dans Libreville. Il n'y a rien, qui va là. Bonsoir. On a garé là-bas, au deuxième parking là-bas, parce qu'on n'avait pas la miette pour. On n'avait pas d'argent. Mais j'ai même eu un coup, mon téléphone est bloqué. Ouf. Mais la puce dans l'avion, non, j'ai rien dont je traduis, c'est peut-être aussi. Attends, est-ce que tu ne l'as pas? Ah ben là, enfin je vais demander de toute façon, dès que je vais me connecter. Mais le code est sécurisé. Non, je n'ai pas utilisé ça depuis. Hein? Le code peut-être là, je n'ai pas utilisé. Quand tu bloques le téléphone, que. Edith, ta grande sœur Edith. Ah oui, je l'ai eu, c'est quand? Hier. Je l'ai eu hier. Donc, on met ça, la dame a porté sa voiture. Chez Mireille. Oui, et comme ça on va vous suivre, parce que nous on a garé là-bas. D'accord. De toute façon c'est Royal.